connaissez Baron Mag? Ils font un petit livre sur des recettes. On va l'avoir au brasseur. Fait que si ça vous tente d'essayer des recettes de professionnels du Québec, microbrasserie du Québec et de l'Ontario qui vont être dedans, on va être disponible beaucoup de, je pense, c'est 20 ou 25 $ au brasseur. Dites-moi si ça vous tente. Aujourd'hui, les 10 erreurs les plus fréquentes quand on commence à brasser de la bière. Alors, erreur numéro uno. La première erreur que beaucoup de monde font quand ils commencent à brasser de la bière, c'est d'utiliser de l'eau du robinet. L'eau est 90% de votre matière première. L'eau du robinet contient du chlore. Et oui, il peut contenir aussi des fois des coliformes ferto. Ça, c'est bon, hein? L'eau au Québec est potable, oui, je le sais. Par contre, on met beaucoup de chlore pour empêcher justement les bactéries d'arriver. Le chlore, c'est pas bon pour notre bière. Alors, je vous conseille fortement d'utiliser de l'eau en bouteille. 5 $ pour une cruche. C'est quand même 90% de votre matière première. Alors, ça vaut vraiment la peine d'utiliser une bonne qualité d'eau pour avoir une bonne qualité de bière. Si jamais vous voulez utiliser les minéraux aussi, si vous voulez travailler avec vos minéraux, ben, vous avez toute la description de l'eau sur le côté avec la fiche signalétique. Alors, ça vous permet de commencer à modifier votre eau un petit peu plus rapidement quand vous utilisez de l'eau en bouteille. Autre chose, n'utilisez pas de l'eau distillée. Si on utilise de l'eau distillée, il n'y a plus de minéraux. Puis la levure puis notre moût a besoin de minéraux pour bien fonctionner. Si vous utilisez de l'eau distillée, c'est parfait. Il faut juste faire votre profil d'eau. Si vous n'êtes pas rendu là, utilisez de l'eau en bouteille Amaro, Labrador, Esca, whatever, laquelle que vous préférez. L'eau est sensiblement pareille avec les mêmes minéraux. Fait que, utilisez de l'eau en bouteille. Si vous voulez prendre de l'eau de la champlure, utilisez un filtre au charbon actif. C'est la seule et unique façon d'éliminer le chlore qui est dans l'eau. C'est un mythe de laisser bouillir ou de le laisser évaporer avec le temps. Il y a deux sortes de chlore dans l'eau, je ne me rappelle plus lesquelles des deux. Si on a des scientifiques qui nous écoutent, vous pouvez le dire en description, ça va me faire un grand plaisir après ça de rectifier le tir. Numéro 2. Beaucoup d'erreurs maintenant avec le grandfather et les machines du type un vaisseau. Ça arrive beaucoup moins souvent. Par contre, on a des systèmes qui existent encore sur le marché qui prennent pas en considération de la compression du mash. Tout ce qui est dans le sac de brassage, il faut jamais compresser. Il faut jamais compresser non plus. Et à recirculation, souvent on voit du monde qui se patente des petits recirculateurs et il oublie le fait que la pompe fait une suction et ça va sortir des tanins du grain. Et les tanins, c'est pas très bon, ça va sortir de l'astringence. Et on n'en veut pas dans notre moût. Alors ça, c'est une erreur que beaucoup de monde font, de pas compresser, s'il vous plaît, le grain. C'est une des erreurs quand on commence à faire de la bière, qu'on commet pratiquement à tout le monde. Il faut pas le faire. L'autre chose aussi qui est importante, numéro 3. La numéro 3, c'est... On parle de mash. Continuons dans la température du mash. Une erreur que beaucoup de monde font. Le monde avec des grandfathers, c'est un petit peu moins commun. Avec des robots broussis, avec des... Je me rappelle plus toutes les 800 millions de machines qui existent présentement. Mais la température du mash est tout le temps constante. On le sait que si on garde pas une température constante, et les enzymes vont pas travailler de la bonne façon et ils vont pas sortir les bonnes enzymes pour travailler dans notre moût et on peut pas revenir en arrière un coup qu'on a passé le step suivant. Avoir une température constante tout le long de notre mash, c'est vraiment important. Fait que numéro 3, avoir une température la plus constante le plus long possible pour la conversion complète de l'amidon. Autre chose, si on utilise le grandfather ou le robot brew, il y a des beaux codes qui existent. Ça peut être vraiment pratique pour garder la température constante, comme ça on va moins refroidir notre moût, surtout que c'est l'hiver qui s'en vient. L'automne, le printemps, c'est vraiment plaisant de travailler dehors, à brasser. Fait que peut-être que ce serait bien de se procurer le petit coat par-dessus. Numéro 4. Encore une fois, dans notre fameux mash, on passe beaucoup de temps à faire le mash. Fait que c'est vraiment important de bien en parler. Et il y a beaucoup d'erreurs qui se créent dans le mash. Alors, le test d'iode, beaucoup de brasseurs ne font pas le test d'iode. Et ben ça peut causer des problèmes. Quand tu viens me voir au brasseur puis tu me poses la question, hey, j'ai ci, j'ai ça, blablabla, puis là je vais te poser la question, puis ton test d'iode, combien de temps ça a pris? Ben, je l'ai pas fait.
C'est ça. Je ne sais pas si ton sucre a été converti, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Fait que c'est vraiment important de bien prendre le test d'iode et de prendre le temps que ça a pris. Numéro... Après le match, qu'est-ce qu'on fait? Eh oui, on rince les drèches. Alors, bien utiliser de l'eau. Ils vont pas utiliser une bonne température. La température idéale, c'est 78 degrés Celsius. Moi, je le fais à 80 degrés Celsius. Puis, le fait que ça passe dans des tuyaux, ça refroidit. Fait que l'aspersion devrait être de 78. Vous pouvez mettre votre eau à 80. Ça va vraiment aider à faire une bonne filtration. Autre chose à propos de cette filtration-là, il faut pas descendre en bas de 1,5 plateau ou Brix avec un réfractomètre. Les dernières gouttes, quand on fait des petites bières à petit pourcentage d'alcool, il faut faire attention, ne pas descendre en bas de 1,5 Brix ou plateau. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à laver l'écorce. Si on commence à laver l'écorce, on va sortir encore des... Exactement, des tanins. Et des tanins, on n'aime pas ça, on n'en veut pas dans notre bière. À la numéro 6, après le rinçage et le rêche, l'ébullition. L'ébullition, on a plus ou moins d'erreurs qui est commis au début. Ça se passe assez bien. Par contre, le refroidissement. Il faut refroidir votre moule le plus rapidement possible. Utilisez des refroidisseurs à contre-courant ou des refroidisseurs à immersion. Essayez de prendre de l'eau la plus froide possible. C'est une erreur que beaucoup de monde vont faire. Ils vont prendre beaucoup trop de temps pour refroidir leur moule après l'ébullition. Et si on tient ça aux alentours de 40-45 pendant un long laps de temps, ben, on risque d'avoir des bactéries qui vont s'éloger dans notre mou rempli de merveilleux sucre. Et oui, on a scrapé la bière, on a des faux goûts. Ça peut arriver de cette partie-là. Numéro 7. Le numéro 7, c'est super facile. Prenez votre test de densité. Super important. Si vous n'êtes pas type papier, vous prenez une photo avec votre téléphone. Et on va voir la densité dedans. En plus, on va voir la date, puis on va voir la couleur. Petit truc 101, je suis pas type papier, je prends souvent des photos. Ça peut vraiment aider, prendre une photo. Test de densité. Pourquoi prendre un test de densité? Si vous avez une crainte que votre fermentation a pas commencé, même si vous m'appelez sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur www.lebrasseur.ca ou info@lebrasseur.ca ou sur Google, ou vous m'appelez au téléphone, oh! 514-418-6382 et vous me demandez « Hey, j'ai eu un problème, ma fermentation, je pense qu'elle n'a pas décollé, je vois pas de crassine, j'ai pas de bulle dans mon bon aseptique, je vois rien d'activité. » La première affaire, je vais vous demander la densité de départ que vous aviez eue à la fin, avant de le mettre dans le touris ou en fermentation, et votre densité que vous avez présentement. Si on n'a pas ces deux choses-là, je peux vraiment pas vous aider. On ne sait pas si ça a commencé ou pas. La seule et unique façon de savoir si une fermentation a commencé, c'est avec la densité. On va voir que ça a diminué. Prenez toujours votre test. Autre chose, point qu'il faut prendre un test de gravité. Il faut que la densité soit stable avant d'embouteiller. Fait qu'après notre 2-3 semaines de fermentation, on va prendre un autre test de gravité et on va vérifier que la donnée n'a pas changé. Si on est dans la plage aussi de pain, de fermentation, si la recette nous disait qu'on arrivait à 10-10 et on arrive à 10-10, il y a des grandes chances que notre fermentation est finie, fait qu'on peut passer à l'étape d'embouteillage. Si des fois la levure prend un petit break, elle se repose, elle redécolle plus tard, il y a des levures aussi qui sont plus longues à fermenter, vous avez monté la température a trop descendu, puis la fermentation s'est juste endormie, tout ça peut arriver. Ça veut dire que si vous faites ça et on met ça dans les bouteilles, puis la gravité, elle bouge beaucoup, ben, vous avez un risque de gushing de bière et ça vous allez porter votre bière au lieu de la boire. Numéro 8. L'oxydation. Présentement, avec les New England IPA, j'en entends parler à tous les jours. Tout le monde a peur d'oxyder, ou tout le monde pense qu'il est oxydé, ou tout le monde oxyde, ou... On va prendre ce relax. L'oxydation, oui, ça arrive. Par contre, ça arrive pas tout le temps. Première étape, faire attention, oxyder votre mou. Fait qu'il faut pas oxyder le mou non plus. Fait que si on met un spray pour recirculer, c'est pas bon. Si on met le robot brew pour mettre la hausse bien haute, c'est pas bon. Faut le mettre tout le temps le plus bas possible avec le grandfather ou le robot brew.
tout le temps, aucun contact avec l'oxygène le moins possible. Deuxième chose, quand on va embouteiller, si vous voulez utiliser de la levure d'embouteillage, ça va vous aider à éviter l'oxydation parce qu'une levure neuve va manger plus rapidement l'oxygène avant de prendre votre alcool pour faire du CO2 et de l'alcool encore, vu qu'il est capsulé. C'est un petit truc. C'est plus facile d'oxyder en keg et à contre-pression, si vous voulez, une embouteilleuse à contre-pression. Si on purge pas comme il faut, vous avez un risque d'oxydation. Ici, l'erreur n'est pas nécessairement d'être oxydé, mais plus d'avoir une peur d'oxydation. Et on prend beaucoup trop de précautions qui fait affaire qu'on peut donner des mauvais goûts à notre bière puis qu'on peut faire d'autres choses qui est pire que l'oxydation. Bactéries, ces choses-là, c'est pas des mauvais goûts qu'on veut. Juste prendre ça easy puis s'amuser, tout simplement. L'oxydation, on va faire une grande vidéo dessus. On va vous expliquer un peu plus en détail c'est quoi. On va vous donner des trucs, des astuces pour pas oxyder. Mais la première, surtout pour un débutant, utiliser de la levure d'embouteillage, on met 2 grammes, c'est l'idéal. La numéro 9. Numéro 9. Et là, c'est pas seulement les amateurs, les débutants, ceux qui commencent, qui font ces erreurs-là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de brasseurs amateurs qui skippent cette étape-là et la trouvent peu ou moins ou pas partout importante. Et on parle évidemment de la température de fermentation. On va dire quand on va commencer à faire de la bière, mets ta bière à 20 degrés, c'est parfait. Mets ton sous-sol à 20 degrés, dans une pièce à 20 degrés avec pas la lumière directement du soleil dessus, ça va être parfait. C'est vrai que pour 90% des ales, ça va être bon. Par contre, la fermentation, elle travaille, fait que ça dégage de la chaleur. Fait que même si votre pièce est à 20 degrés, ça se peut que votre moût de bière soit à 21, 22, 23 degrés. Tout dépendant des levures, les levures vont dégager des goûts séparés ou des goûts pas pareils, tout dépendant lequel qu'on va utiliser, température avec laquelle le veut. Essayez de contrôler votre environnement de fermentation le plus proche possible de la vérité. L'idéal, c'est un fermenteur avec un glycol pack qui va refroidir votre contenant, parce que même si on met ça dans un frigo, oui, c'est mieux, mais on a un frigo pour une fermentation. L'autre chose aussi, c'est qu'on calcule encore une température ambiante. On calcule pas la température du moût de bière nécessairement quand on le met dans un frigo. Qu'est-ce que je préfère, moi? C'est le glycol pack. Maintenant, on est rendu au 10e erreur. Et encore là, les 2 dernières erreurs. Remarque que les autres aussi, les huit premières, pouvaient être un petit peu par du manque d'expérience en brassage. Mais ces 2 dernières, c'est vraiment des choses que les brasseurs amateurs ont beaucoup de difficultés à contrôler. La 10e! 10. La 10e, c'est quoi? La peur. Et oui, la peur. Quand on a peur, on fait beaucoup d'erreurs stupides. Regardez juste un film d'horreur, la fille a peur, elle monte au 2e étage. On se le dit tout, là. Fera pas ça. Probablement que si on aurait peur, nous autres aussi, on monterait au 2e étage. La peur, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la peur de bien choisir sa matière première. C'est la peur de faire des erreurs. C'est la peur de manquer une bière. C'est la peur de se faire dire qu'on est poche. C'est la peur de arrêter d'avoir peur. Quand vous faites de la bière, vous le faites premièrement pour vous amuser, pour faire de l'expérience. L'expérience, c'est quoi? C'est le nombre d'erreurs acquis qu'on a corrigées. Si tu fais pas d'erreur, tu seras jamais bon en bière. Si tu fais tout le temps de la bière, oh, moi, ma bière est tout le temps parfaite, t'es peut-être pas assez critique envers toi-même. Et le contraire aussi, moi, ma bière est jamais bonne, t'es peut-être trop critique envers toi-même. Il faut juste trouver où qu'on a fait nos erreurs. La grosse erreur de la peur, c'est de mal choisir sa matière première, et beaucoup de monde ont peur de substituer un grain pour un autre grain, une levure pour un autre levure, un houblon pour un autre houblon. Ça peut juste vous faire découvrir des nouveaux goûts et des nouvelles saveurs, et c'est vraiment important. 90% des recettes, c'est marqué 2 rangs. Le pale malt, c'est un 2 rangs. Un grain de base, c'est un 2 rangs. Le Maris Otter, c'est une autre sorte de 2 rangs. Le 2 rangs, ça veut juste rien dire dans nos recettes. Fait que si on prend un type de bière 2 rangs, on peut essayer de jouer un petit peu avec vos grains. Ici, on a 36 grains de base différents. Et c'est vraiment important de les essayer pour savoir qu'est-ce qu'ils goûtent et dans quel type de recette on aimerait mieux les mettre. Je peux vous aider à choisir votre grain de base pour la recette d'après mon expérience, mais mon expérience ne veut pas dire nécessairement que ça va être votre goût. Fait que c'est important de faire beaucoup de tests si vous faites des bières anglaises, de prendre des grains anglais ou tout simplement faites des smashs.
un grain, un houblon. Ça va vous montrer vraiment à goûter votre grain, à goûter votre houblon. Et dans votre image, vous pouvez faire 3 fermentations différentes ou 4 fermentations différentes dans des petits contenants et changer les levures. Ça va vous faire en plus goûter la référence qui est de la US05, de la WLP001, de la 1056, la levure la plus commune, qui donne moins de profil de goût de fermentation. Par la suite, on va aller chercher d'autres sortes de levures et on va avoir notre référence avec nos 3-4 levures différentes dans notre smash. On va voir vraiment les goûts changer par rapport aux levures et ça, c'est vraiment plaisant à faire. Ça vous donne environ 8 bières par petite batch que vous allez faire et c'est vraiment le fun. Fait que séparez vos batchs quand vous faites des petites smash. Vous allez avoir des bières complètement différentes et ça va être vraiment plaisant. L'autre chose dans la smash que vous pouvez faire, c'est faire un 23 litres, faire un faible houblonnage à chaud et par la suite, encore une fois, mettre dans les plus petits contenants pour fermenter et mettre des infusions à froid de différents houblons. Vous allez goûter plus de dry hopping pour vos choses. Arrêtez d'avoir peur de scraper une batch. Ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Fait que commencez tout de suite vos expériences et vous amusez. Brasser le plus souvent possible aussi. C'est la meilleure méthode de devenir un bon brasseur. C'est de brasser régulièrement, de brasser souvent. Quand on brasse pas assez souvent, on oublie des choses. Alors, on fait des erreurs. C'était les 10 erreurs de débutants ou les 10 erreurs communes qu'on retrouve dans le brassage amateur et professionnel dans certains cas. Lâchez pas. Continuez à faire vos bières. Continuez à faire votre savant fou. Et il y a plein d'autres tutoriels qui s'en viennent. Je suis vraiment tout le temps très heureux de voir vos réactions. Ça me permet de continuer, ça me donne des idées pour... Avec vos questions, ça me donne tant de nouvelles idées pour faire des nouveaux vidéos. Et les nouveaux vidéos, ça vous instruit, vous. Un grand plaisir de vous aider à vous améliorer. Oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Si t'as pas vu mes autres vidéos, ben, il y a une liste en dessous. Tu peux vraiment aller voir toutes mes vidéos. Tu vas apprendre vraiment beaucoup. Oublie pas la petite cloche. Pour rien manquer de qu'est-ce que je fais. Puis... On se voit dans la prochaine vidéo. Il me semble que ça fait longtemps que je parle d'oxydation. Là.